Bon les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici un bâtiment, une ancienne maison de retraite qui a fermé il y a moins d'un an pour être transférée autre part. Donc ça sera une vidéo urbex, mais qui deviendra une enquête très bientôt. Donc ici on va faire un repérage des lieux. Apparemment, ce serait quand même assez squatté. Donc on va voir et on verra bien. Je vous reprends après les amis. À tout à l'heure. Voilà, je vous montre le bâtiment lui-même. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Vous voyez, les déchets, un petit peu partout. Ici, vous avez un escalier. Je vais me reculer un petit peu. Vous voyez. C'est vraiment super grand. Il y a encore tout à l'intérieur apparemment, comme on m'a dit. Je remercie l'abonné qui m'a donné cette adresse. Voilà. Donc je vous reprends quand on sera à l'intérieur. Voilà, on a trouvé l'entrée. On va aller voir. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez grand. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. On n'est pas tout seul. Voilà. Vous avez vu les chaises à l'extérieur. En fait, ici, on est à proximité d'un zoning. Donc, on va rentrer. Ça ne sont pas trop mauvais. Non, ça va encore. On va commencer le repérage. Donc pour ceux qui viennent seulement d'arriver maintenant, c'est une ancienne maison de retraite. Satan Noël. ça donne sur l'extérieur. Donc ici, vous avez une grande pièce. Bon, maintenant, la raison pour laquelle ça a été transféré ailleurs, certainement parce que sûrement que les bâtiments n'étaient plus adéquats. Ici, ça sent mauvais. Vous voyez, le plafond est percé. Il y a de l'eau partout. On dirait qu'il y a eu le feu. Ça sent le soufre. Ça sent le soufre ici. Vous voyez. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il y a à peine moins d'un an, il y avait encore des personnes qui vivaient ici. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a des bonbonnes d'oxygène. Là, ça sent le soufre, hein? Ouais, ça sent. Là, on dirait qu'il y a eu le feu. Apparemment, là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, il y aura encore des archives. Voilà. Après, on montera à l'étage pour voir plus ou moins comment ça se passe. Je suis accompagné de Christox. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ah ben voilà. On va doucement. Débouchera la caméra. Regarde quand même. Sans. Sans flash. On va essayer de s'avancer un petit peu. Ah oui, il y a un trou. Vous avez vu? Il y a un trou. Ceux qui font de l'urbex, faites très très attention. Regardez toujours où vous mettez vos pieds. On ne sait jamais. Vous voyez, il y a eu le feu sûrement. Là, des archives sûrement. Là, des papiers. Il y a encore tous les papiers. Ici, à mon avis, c'était... Mais toi, pas sur une piscine? Ah ouais, c'était peut-être une piscine. Franchement, je sais. Ben, t'as vu le plafond, à mon avis, il est tout bombé, hein? On va se l'attraper sur le casaque. Donc voilà. Hein? Ouais, non, je regarde. Non, je voudrais pas. Je te regarde, mais. Eh ben voilà. Voilà, je vais éteindre pour économiser un petit peu des lampes. Voilà. Bonjour. Voilà. Urbex. Eh bien, on va tout doucement monter les escaliers. Tu veux un chocolat? Ouais, une machine. Ah, c'est sûrement la cave. C'est sûrement la cave. une erreur près. Attends, je vais allumer. C'était Robert. Tout s'est cassé là avec le lycée. Non. La barre ou l'accueil? L'accueil, c'est une erreur. Ah oui. Peut-être bien l'accueil, hein. Ça sent le rond fermé. Des vêtements. Télécommande. Ça m'étonne quand même qu'il y a quand même moins d'un an que c'est fermé et ça serait déjà rangé comme ça, en moins d'un an. Bon, c'était vraiment plus dans les normes, mais vraiment, vraiment, vraiment plus. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais, ben ouais, ouais, ouais. Il ne me tient pas trop sûr non plus, parce qu'il m'a dit, c'est pas tellement vite. Ben ouais, c'est ça quoi. Donc voilà, c'était sûrement l'accueil. Je suis en train de marcher dans l'eau. Téléphone. Photo. Ah ben voilà. Les infirmières qui travaillent ici. Les aides-soignantes. Je sais pas si vous entendez, je suis en train de marcher dans l'eau. Et ben on va aller par là. J'aurais dû prendre des bottes. Hein. Une chaise, deuxième chaise. Toilette. Yes. Oui, ça va. C'est du n'importe quoi. Et si vous avez des photos, c'est peut-être le nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment où tous les patients ont été transférés. Vous voyez tout s'est cassé la tête. Oh, excusez-moi. Une baignoire. Informatique, je suppose. Une chambre. Vous voyez, un lit. Allez, à l'étage, encore une veste. franchement, celui qui a marqué ça, franchement, c'est pas sérieux. Voilà. Donc ça c'était toujours au rez-de-chaussée. On va essayer de monter à l'étage. Donc je le redis, ici c'est une... ce sera une petite vidéo repérage. L'enquête viendra après. Voilà. Ça c'est l'entrée. Ça c'est sûrement l'entrée de la cave. Ça on ira voir par après. Donc, on va monter les escaliers et on va aller voir ce qui se passe à l'étage. Une chaise percée. Voilà. Ah, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça à la limite, mettez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Ah oui, on m'avait dit que tous les carreaux étaient brisés, donc il y a beaucoup, on entend beaucoup de vent. Vous voyez, si ça a été détruit, il n'y a plus de carreaux. Tous les débris à terre. Et ici en fait on est à l'extérieur et ça donne jusque là-bas dans le fond. Donc apparemment ici ce serait les chambres des vieilles personnes qui vivaient ici. C'était des belles chambres. Des chambres. À mon avis, c'est toutes les mêmes. Il y a des photos. Ça, je vais éviter de les montrer. Une croix. Vous voyez une croix. Bien sûr, le Christ qui est dessus n'y est plus. Voilà, donc c'est encore une chambre. Il y a assez bien de photos à terre. Mais bon, voilà, je ne veux pas non plus la chambre là au bout. J'ai un petit doute de squat là, quand même. Ouais. Pas forcément toxico, je vois rien, mais de squat. Ah ouais. On va aller voir, c'est une baignoire que les personnes se mettaient dedans et basculaient en arrière. On va aller voir ça. On vient de rencontrer deux personnes, apparemment ils font comme nous, ils visitent. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Ici à ta bouffe, ici. Donc. Gaufrette. Elles ne sont pas pourries, hein. Ben ouais. Là, ouais. Des bourbons. Ça, je ne sais pas ce que c'est. No, bah. Ici, le matelas, regarde, il est plus graffaniki, là. Ouais. Je sais pas, hein, peut-être. Ouais, ben voilà. Ah, non, voilà, attends. Celui qui n'a pas... Il y a des bonbons, ça. Ben ouais. Celui qui n'a pas à aller... n'a pas où aller dormir, ben... Bah, c'est sûr. Une pince à épiler. Je me pense. Je ne sais pas de... C'est pas moi qui vais le dénoncer. Oh non. Oh non, non. C'est sûr que pour rester dehors, ils ont bien raison de venir ici. Donc voilà encore. Donc vous voyez, hein, toutes les chambres sont quasiment les mêmes. Oula, oui, ça s'est cassé la nénette. Voilà. Il y a encore de la flotte. Fauteuil. Voilà. C'est une maison, pour une maison de retraite. Avec des chambres, voilà quoi. Je serais curieux d'aller voir au rez-de-chaussée pour voir. Encore shampoing pour faire sa barbe, voilà. Et ici devant vous avez encore un corridor, hein, qui va jusque dans le fond. Là, on arrive jusqu'à la fin. Voilà, encore une chambre. C'est encore cassé la nénette. C'est ça que je vous dis, si vous faites de l'urbex, ou que vous soyez, ou vous venez en enquête, en paranormal, ou... faites très attention déjà où vous marchez. Ici on est au premier étage. Et comme vous avez pu voir, en bas, ça coule du plafond. Bon, ça ne m'étonnerait pas que l'eau qui se trouve ici, c'est la même eau qui coule. Voilà, donc ici on a fait le premier étage. WC. Il n'y a plus d'électricité, vous voyez, tout a été coupé. On va monter à l'étage. Au deuxième étage. Non. L'ascenseur. Voilà. Donc ici on est au deuxième étage. Une grande chambre. Il y a encore tout, vous voyez, il y a encore le lit, la table. Franchement, s'il y a des gens qui squattent, je les comprends. Ils ont raison. C'est pas du luxe. Mais bon, voilà. Ça évite que ces personnes soient... à la rue. C'est d'ailleurs dommage que il devrait réparer tout ça. Et accueillir les sans-abri. Non, on laisse ces bâtiments-là à rien, ça floute, à rien, et puis ben voilà. Bon, maintenant on reviendra de nuit. Moi, il y avait encore des photos. Et ça. Voilà. Des coupons de tige. Une belle salle de bain avec un petit coin douche. En fait, ouais, à l'étage, ce sont toutes les chambres. Forcément. Mais bon, on est là. Salle de bain. Fauteuil. Oui. Je me suis même pas présenté à l'entrée. Le plafond qui se casse la nénette. Oui. Une robe de nuit. Fauteuil avec le pouf. Vous voyez, encore des meubles, hein, des beaux meubles. Celui qui aime bien l'ancien, franchement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on ressentit? Ça va. Je ne suis pas... Vous voyez? Il faut faire très attention quand même. Douche, WC, encore une chambre. S'amuser. De l'eau. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau quand même. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même des gens qui squattent. Ben, on va aller visiter le troisième étage. On monte. Charrette. Voilà, on est au troisième. C'est fou quand même ce que les gens ont pu laisser avant de partir, quoi. Des CD, des couronnes, vous voyez? Des vêtements encore. Je préfère faire un repérage de tout. Ça va peut-être vous saouler, mais pour l'enquête de nuit, je préfère comme ça, je m'attends. Je vois plus ou moins comment toutes les chambres sont. Je vais devoir bientôt changer de batterie. Ah, les gars, les radiateurs. Voilà, vous voyez, on est quasiment au centre-ville. Donc on est quasiment à la rue, je vais dire. Voilà, je ne montrerai pas les photos, parce que c'est personnel. Voilà. Toujours salle de bain. Deux lits. Apparemment, il y avait des chambres à plusieurs lits et des chambres avec un lit. C'est grand quand même. Ça c'est la Ferrari, ça. Vous voyez le siège avec ceinture de sécurité et tout. La totale. Salle de bain. Lit. Ouais, c'est plus ou moins à chaque fois la même configuration. La chambre. Oui, il y a encore des choses sur la table. C'est la première fois que je vais dans un endroit où il y a encore autant de choses. Des bouquins, des cassettes, ça existe encore ça. Voilà, album photo. Voilà. Encore un ancien bracelet. Oui, un ancien bracelet. Donc voilà. Des Pampers. Vous voyez, salle de bain. Je vous mettrai une petite musique d'ambiance. Oui, on est déjà arrivé à la fin. Voilà. Donc il y aurait 2, 4, 6, 8. Apparemment il y aurait 8 chambres par étage. Bon, maintenant ce sont des chambres à 2 places, à 2 lits, à 1 lit. Donc on peut quand même accueillir quelques personnes. On va remonter au 4e. Et je pense que c'est le 4e et dernier étage. Ancien téléphone. monter pour un étage. Il y aurait 5 étages, moi que ce serait pour monter. Sous le toit, on ira voir. Bon voilà. Voilà toujours chambre, salle de bain. La même configuration, mais je préfère, comme je vous ai dit, regardez, vous voyez, toutes les chambres ne sont pas configurées de la même façon. Hein. Vous avez encore tout ici. Hein. Chaussures, à boire, du tabac. Franchement, honnêtement, je suis bien. Franchement, je n'ai pas de ressenti. Rien du tout. Oui, salle de bain. Voilà. Alors, on arrive dans les dernières chambres. Il faudra quand même être très prudent si on vient de nuit. Pour ne pas tomber sur des squatteurs. Apparemment, il y en aurait. C'est une chose que je comprends très bien. Que pour passer la nuit dehors, autant la passer ici, au sec. Ça, je comprendrais très bien. D'ailleurs, avant de rentrer, on se présentera. Voir si on ne dérange pas et dire qu'on n'est pas ici pour embêter personne et uniquement faire une petite enquête. Voilà, on a encore fait, donc c'est le 4e étage. Et apparemment, il y aurait un 5e étage. On va aller voir. Et bien, c'est parti. Mon avis, c'est pour monter sur le toit ici. Waouh! Et bien voilà, je me suis cogné la tête. Je vous dis, et c'est ça que je vous dis, il faut faire très attention à ce que vous faites. Mais voilà. Descends doucement mais sûrement. Vous voyez, quand on regarde comme ça, c'est quand même... Je vais fermer mes lumières. Ça doit être autre chose. De nuit, ça doit être autre chose. T'es déjà descendu en bas? Oui, oui. Oh, j'ai fait tout. Oui. Oui. Bah, les configurations des chambres, c'est quasiment la même. Oui, c'est la même partout. Hein. Oui, j'ai tout fait. Bah, ça va vite en photo. Bah oui. T'as été sur le toit aussi? Oui, sur le toit. Non. Les gens qu'on a vus sont déjà partis alors? Oui, mais je te rencontre personne. Je me demande si c'était pas la voiture, hein, parce que la voiture n'est plus. Ah ouais. Ouais, ils étaient peut-être dans la cave quand on a... Ouais. T'as fini aussi? Ben, j'ai plus que la cave à faire. Ah, la cave, ah oui. Il y a grand chaud aussi. C'est sûrement pas une morgue, hein. Oui. Ouais, il y a le quart des téléphones, ce petit truc. Oui. Un petit truc, ouais. Il n'y avait jamais une fois dans un room, il n'y a pas beaucoup de téléphones, là. Bah non, bah... Des gens qui sont en fin de vie, je suppose, qu'on les transfère. Le truc 200, hein, on va vite. Mais il y a du squat, il y en a. Du squat? Oui. Tu n'en serais pas étonné. Il y en a, parce que ouais. J'y trouve, il y a des boîtes de tabac, il y a... Ouais, hein. Donc voilà. Un truc... Les paquets de bonbons, les biscuits, là, ils sont pas à ça, quoi. Il y a un petit tuyau en couille, hein, qui n'est pas à ça, là, l'autre des choses. Ah ouais. Voyez. Local des défunts. Ben, on va montrer. Soins, déchets. Ah ouais. Il y a que ça ici? Oui. C'est un room, hein. Il y a forcément des défunts, mais pas. Ah ouais, ben voilà. Donc apparemment ils mettaient les corps ici en attendant de transférer le corps soit à la mort ou que la famille reprenne le corps. Ouais, voilà, un truc à reculer. Ascenseur. Une carte en fait. Droite à la machine, chauffage. Ouais, tu l'as collé électrique. Ben c'est vieillot quand même, hein. Ouais. Hein, mais quand tu vois les installations, c'est plus comme ça maintenant. Non, mais c'est pour ça qu'on avait qu'ils ont des plus conformes. Ben je sais pas si tu as fait des photos, il y a des photos sur le mur des nouveaux bâtiments. Ah, pas. À l'intérieur. T'as pas, ah, oui, au-dessus. Ah. T'as pas vu? Non. Je crois que c'est au premier étage. Oh, oui. Ah ouais. La chaufferie, tiens. Les cuves, elles sont. Il y a peut-être encore du mazout. C'est pas impossible. Pour les machines à laver. Les assiettes. Tu veux pas des assiettes? Un couteau. Donc ici, je vous rappelle, on est dans la cave des langes. Donc ici, on repasse de l'autre côté. Et voilà, on arrive à la sortie. Et eh ben voilà les amis, ben voilà, on a fini le repérage. Voilà, on va sortir. Voilà, nous voilà à l'extérieur. Donc ça aurait été un petit repérage, hein, avant la sortie de nuit. Maintenant, vous dire quand exactement on viendra. Je vous le mettrai en commentaire sur la page Facebook, mais ça ne devrait pas trop traîner. Donc je vais encore vous montrer une fois les bâtiments de l'extérieur. Voilà. Et avec le... Pour monter sur le toit, il y a 5 étages. Hein? Ouais. Voilà. Voilà les amis, donc voilà, on va retourner maintenant, on va quitter les lieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vaut vraiment la peine de venir faire une enquête de nuit. Et alors, un tout grand merci. Et je vous dis les amis, à très très bientôt. Ciao ciao.